Tu nous prépares quoi là? Je prépare un quiz, voilà, il me manque un mollet, voilà c'est quoi ma vie, elle se résume à quoi? Préparer des quiz. Préparer des quiz. Vincent, je suis avec toi. Il y aura un vainqueur unique. Il y aura un vainqueur unique. Ah c'est bon, ça va, Vincent. Ça va? C'est ton entraînement là, c'est quiz foot, c'est pour moi toi. Ouais, bah non, mais il y a rien à gagner à part. Non, mais c'est pas vraiment sur l'entraînement. Il y a un maillot à gagner. C'est pas vraiment. Parce qu'avant faut courir, donc c'est la moitié sur l'entraînement. Mais attends, je comprends pas ce plan là, on va courir dans le noir. Oui, c'est pas mon problème, c'est... moi, regarde, il est là ton entraîneur, tu vois, avec lui. C'est quoi le projet, on va courir dans le noir C'est le problème du Vin Sky FC, ils sont en D5. Tout le monde en D5 court dans le noir. Tout le monde marche sur des cailloux. On n'est pas à Deauville toutes les semaines. Commence pas. T'es prêt pour les courir? Commence pas, je suis prêt pour les courir. Alors que t'habites en haut de la rue. Mais gros, tout le monde n'est pas encore arrivé. Regarde les yeux qu'il a, j'ai envie de le niquer. Après, il travaille en 3-8. Je vais me réveiller, je fais ma sieste. Par contre, tu vomis pas cette fois. Bah non, cette fois, c'est bon, j'ai du cardio un peu. C'est quoi le thème ce soir? Ah, le thème, on va courir. Tu te rappelles de la petite vidéo d'IB où il me regarde et il me dit on n'est pas des chevaux de course? Bah là. Là ça va galoper, hein. Là je peux te dire que j'étais avec des bouquetins toute la semaine là, et tu vas voir, ça va... Oh là là, franchement je suis vraiment déçu d'être blessé là. Ça me donne envie de courir avec vous. T'as mis les chaussures les plus blanches de ton... de tout ton dressing pour aller courir dans les bois là. Bah en fait c'est que il fait noir, du coup on va pas me voir. Du coup tu vas voir des chaussures blanches courir et tu vas pas me perdre. Par contre c'est plus dur, tu vas plus les revoir. Je le sais, mais je vais là. Ça se nettoie, ça se nettoie vite. C'est parce que t'as un écran, tu peux matérialiser. Surtout ça. Oui bébé. C'est Maxime, hein. C'est le coach. Et t'es où? Et tu savais que ton entraînement a commencé à 20h30? Il a prévu le coach à jouer qui venait plus tard parce qu'il faisait manger à sa petite femme. On va y croire. Bon, allez, à tout de suite. Alors là, c'est les infos trop confidentielles, je vais pas montrer l'écran. Mais là, j'ai la liste de tout l'effectif avec date de naissance, pointures et tout. Et en fait, là, je suis en train de disperser la commande Adidas qu'on a reçue. Je vous montre la cam. Voilà, c'est une bonne cam, hein. C'est du Predator, ils sont magnifiques. Hein. Je suis en train de mettre tous les noms, regarde là, ça c'est Apple. Ça c'est Amasias. Et je privilégie ceux qui n'ont pas eu de paire depuis le début de la saison parce que la promesse du Vin Sky c'est que tous les joueurs seniors ont une paire avant la fin de saison. C'est quelle tes préférées? Les blanches, je les trouve vraiment belles. Les blanches arc-en-ciel là, elles sont vraiment belles. Ouais, c'est les Predators. C'est les Predators? Ouais mon gars, ah, bah, c'est un peu le meilleur. Ouais, ah non, Copa. Copa gros à l'ancienne, Zizou là, en cuir là, tout ça. Quoi? Il comprend rien. Zizou? Ouais. Il joue en Predator fort. Merci. À l'époque, les premières et tout. Ah ouais. Mais c'était signé Predator. Sinon, c'était les Kaiser. Hein, c'était pas les... Ah, c'était Kaiser. Ouais, non, c'est Copa, gros. Le... Predator. Avant. Oui, non, Zizou, c'est Predator. On est d'accord. Mais les chaussures les plus anciennes. Ah oui, c'est Copa. Copa. Mais. Donc moi, je suis voiture mignon. Mais tu viens. On va se poser. On attend. Ils vont revenir. On va bien manger. C'est ça. Quand on a des privilèges, on fait ce qu'on veut. Quand on marque. C'est ça, hein, surtout de la tête. Quel joueur a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde en Russie entre Kylian Mbappé, Lukaku ou Harry Kane? C'est des questions de merde. Moi j'ai dit Kane. Kane. Voilà, il savait pas. Vas-y, il va dire... vas-y. Il y a quand même des questions. Moi franchement, je n'avais aucune idée, j'aurais dit Mbappé. Moi. Non, c'est Kane. C'était bien Harry Kane. Harry Kane. La Coupe du Monde en Russie, c'est celle qu'on a gagnée, on est d'accord. Mais c'était pas Mbappé, ils sont allés jusqu'en demi contre la Croatie, donc ils avaient mis pas mal de buts. Et Mbappé, c'était pas Mbappé, je crois que c'était même Griezmann qui avait mis plus de buts. Moi, je suis là pour l'ambiance, je suis pas là pour... Non, mais il a joué n'importe où, hein. Oui, mais Bordeaux. Non, moi, je dirais Guingamp. Bah, vas-y, pas Bordeaux. C'était Guingamp, effectivement. Ouais, c'est Guingamp, il a joué partout, j'y vais pas. C'est ancien contre jeunesse. C'est un truc d'ancien. Mais c'est pas un truc d'ancien. C'est de la culture foot. La culture foot. De quoi? Oui, c'est un alliance, mais... Napoléon, c'est un ancien. Napoléon, tu connais Napoléon? Tu dis Napoléon. Bah voilà, c'est ce que je te dis. Tu dois pas dire Napoléon. On est obligé. Comment j'y vais avec mon copain? Et mon copain, ouais. Il a un commentateur, il a dit un jour. T'as raison. Mais tu crois Papin, c'était ma génération, frérot? Qui ça? C'est Papin, c'est pas ma génération. Non, c'est plus Maxime, ça. On a le même âge, enfoiré, bah. Normalement, le physique, ça s'arrête pas en septembre. Je fais ce que je Là, c'est des vrais. Des vrais, des vrais. C'est quoi, toi? Tu cours, on est vraiment les gars.
fatigant de rester chez vous, il fait froid. Il y a un chien qui l'a poussé. Il est mort, il en veut plus. Hey, j'ai la tête qui tourne. Il signe pour un montant que je ne développerai pas ce soir. On a cassé la tirelire pour le retour. Essayez-le s'il vous plaît, c'est important. Vincent Deleuris. Parce que du coup, c'est pas forcément la taille exacte qu'il faut demander. Merci bien. Chris. Elle est vraiment belle, hein. Au nom de Dieu, c'est pas... Ça vaut le coup d'attendre, hein. En vrai. T'as vu? Ici, on peut voir les crampons, ils brillent. Ils sont transparents. Il y a un petit dégradé de couleurs. Blanc, rose, bleu. Là, t'as vu, là, c'est pour que le ballon, il accroche. Et ici, là, c'est rien que pour le coach, transversal. Transversal, hein, pour le coup. Ils sont gâtés ce soir, merci à tous, hein, ça fait plaisir. On dirait à Noël, l'enfant qui ouvre tous ses cadeaux, il sait plus quoi c'est. Pourquoi je vois la zone là. Et ça, c'est pour les contrôles orientés, frappe, lucarne opposée, tu vois. Ça, ça passe tout le temps. Tu vois, ça, c'est la paire. Les anciens, ils savent. Ça fait 5 ans, je l'ai, tu vois. Toujours fidèle au poste. Et maintenant, on va faire du sale avec ça, hein. C'est important. Les gars, vous faites attention à ma profondeur là. D'accord, jouer leur jeu, on sait que les ballons, tout ça, on sait que c'est pas forcément notre fort. On est en D4. En D1, quand on était en Coupe de France, je vous demandais de le jouer vraiment précis. T'as 3 arbitres officiels. C'est du professionnel. Ok? Derrière Chris, Elvis Chris, tu redescends d'un cran. Tu vas retravailler avec Nat. Nat, attention. Attention, je te l'ai déjà dit ces 2 dernières semaines. Attention à tes efforts. Pour moi, tu ménages trop tes efforts. D'accord, je dis pas que tu triches, je dis que pour moi tu ménages trop tes efforts, tu réfléchis trop. Viens aider les copains. Si on est sur un terrain, le contexte vous l'avez vu, le terrain est très gras. C'est gorgé d'eau, il ne boit pas l'eau du tout, il est gorgé d'eau au milieu de terrain, il y a même des petites flaques. Donc c'est un enfer. Là. Ah, il y a Arsenal, Chelsea, ah, il y a des beaux matchs en plus aujourd'hui, on n'a pas envie d'être là. Venez, on fait un truc propre, venez, on fait un truc carré, on vient, on se mouille tous ensemble. Que pas un dans sa tête soit là à se dire, ah, il pleut, j'ai froid, machin. Non. Les dents lacérées, on rentre sur le terrain, on épuise, on appuie l'équipe, on rentre et on rentre chez nous derrière. Ok? C'est des matchs casse-couilles, les gars. Pour ceux qui sont là depuis quelques années, pour ceux qui jouent au foot depuis longtemps, c'est des matchs où tu peux perdre des points et t'en vouloir à un moment donné. Il faut vraiment y aller. Ça va être un match dur, mais on peut se le rendre facile. Vous le savez très bien. Ok, les gars? On se remonte tous à bloc, on sort, on y va et on en mange tout ça. Ok, les gars? Allez, c'est parti. Et hier, comment, t'as froid? Ouais, il fait froid, hein. Bon, tu sens comment le match? Vu les conditions climatiques et le terrain, ça va être compliqué de poser le jeu. Il va falloir être solide, surtout à l'arrière. Et là, en plus, un match de reprise, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas joué. Ouais, et en plus, c'est un match important, vu qu'on est sur 3 victoires d'affilée. Et si on remporte aujourd'hui, on sera probablement la seule équipe avec 0 défaite. Et c'est important pour la suite de la compétition. Bon, Dylan, comment tu te sens le match? Bah écoute, très bien, il fait un peu froid. La pluie s'est arrêtée, donc c'est plutôt bon signe. Et puis on est là pour gagner, donc pas de débat. On va essayer de jouer notre jeu et puis on verra ce que ça donne. Là, c'est match de reprise après 2 semaines sans match. T'appréhendes le match? Non. Après, moi perso, je suis resté en forme. J'ai fait du vélo, hashtag les cyclistes. Mais sinon, je n'appréhende pas. On a un beau collectif. On est solidaires, on joue très bien, donc ensemble on se connaît. Donc j'ai pas peur pour aujourd'hui. Bon Chris, comment tu le sens le match? Ah, il pleut et tout, j'aime pas ça, mais bon. En vrai ça va, on a joué la dernière fois contre Mantes sur un terrain à peu près pareil, du coup on sait comment gérer. Après il faut qu'on voit comment le terrain il est, les défauts, tu sais, les trous avec les flaques et tout, mais je pense que ça va le faire. Hein. Faut juste qu'on se mette à l'abri directement, comme ça on court pas après le score et après on est tranquille. Ils sont ultra motivés, ils sont ultra concentrés. C'est à nous de faire le taf. Ok les gars, on se prend pas la tête. Et on rentre vite dans le match, on plante dès qu'on peut et après on se facilite la tâche, ok les gars? Ouais. On y va tout de suite, tout le monde concentré les gars. Les gars, on s'applique, attention le terrain. N'hésitez pas à contrôler, jouez, calmez les gars. Cette confiance aussi les gars, on est trop détendu là. Ouais. Allez, ouais. Allez, ouais. Allez, ouais. Allez, 1, 2, 3, allez, 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 démarrage du match. Vous voyez, la balle.
légère domination de Vert au démarrage. Et notre jeu, c'est la transition. Dommage qu'il ne soit pas sur son pied d'appui, sur son bon pied. Dylan, toujours très, très fort sur le joueur. On ressort bien la balle, un temps fort pour nous. Ça va passer. Dommage. Dommage, belle attaque. Pas de verse et puis le plus bénéfique pour nous. Dommage. Avec le vent du sud-est. Nicolas qui, comme à son habitude, suit toujours le ballon. Belle sortie d'Herman. Laisse l'avantage! L'avantage là! Oh! C'était ce qu'il fallait, hein. Un tir à ras-le-bol de notre équipe. Quatre blancs. Ouh, beau tir. Très beau tir. Bien cherché. Je vois qu'il y en a qui nous suivent de Bordeaux. Oui, c'était trop lisible pour l'interfère. Transition rapide. Avec un jeu. Sur la ligne qui sauve l'équipe. Allez, c'est reparti. On est dans un temps fort. Essaye. On est dans un temps fort. Qui a suivi son. Mais là, il a touché. Son armée passiste. Non, l'armée du touche, il a suivi. Encore un but sauvé par le gardien. C'est ma réponse. Voilà, c'est parti. Vous voyez le. Avec un beau coup de vent. On repart sur la gauche. On va changer de côté. Ça serait pas mal. Dommage. Allez, on prépare. Nicolas qui récupère le ballon, non? C'est bien gratuit pour défendre. Bon coup franc. Mathias qui repart dans ses dribbles. Voilà. Un beau sauvetage du gardien. Bonjour.
bas, joue. Une famille. Nouvelle attaque des Verts. Ils sont maintenant devant notre coup. Mon gars, la flaque d'eau. 18 mètres. Ça va suivre, ça va suivre, à demain. C'est Raph. Il a contrôlé la balle de la main, mais l'arbitre l'a joué. Gros tir, très gros tir de Dylan, spécialiste. Ça fait au moins 2-3 par match à chaque fois. Spécialiste. Je me disais 38ème, ça fait longtemps qu'il a pas de responsabilité. Il y a le gardien qui la sort également très correctement. Changement de côté. Changement de côté de des Verts. Avec le joueur qui a cherché à déborder. Avec déclaration de la balle des Blancs. Là, ça va être rapide. Il faut que ça soit rapide. Oui. Toujours 0-0, oui. Mais rien est mis à jour. On comprend pas le match. Oui. But. But sur la première erreur du gardien. Ballon à côté de la ligne, pas vraiment au milieu, hein. C'est parce que au milieu là, toute notre équipe est en défense. Avec un peu de fébrilité de un peu tout le monde. Allez, bonne sortie du gardien, certainement. Oh, bon centre de chance. Ça va pas, hein. Ça va pas, on est tous d'accord pour le voir. Mais là, c'est pas qu'une question de tactique. On va revenir sur quelques trucs parce qu'il y a vraiment un problème de positionnement plus que de réalisation. Mais ce qui va pas, c'est vous les gars, hein. C'est certains d'entre vous. Alors, devant, on omet. Pour moi, on doit être à 4-0 là. Pour moi, on doit être à 4-0. C'est fait. Les attaquants, ceux qu'on raté, on s'en fout. On oublie maintenant. Maintenant, le plus important, c'est l'après. Mais les gars, pourquoi vous oubliez tout ce qu'on fait? Pourquoi vous oubliez tout ce qu'on fait? Mathias Dylan James, vous partez tous en profondeur. Personne au ballon. Je comprends pas. Il y a une ou deux personnes qui se montrent au ballon quand il y a le porteur de balle. Et quand il y a des bons déplacements, bah, vous êtes plus là. Quand il y a des bons déplacements, vous mettez pas la balle. Quand il y a les bons déplacements, on se barre et on force vers l'avant. Combien de ballons on a perdu parce que c'était trop long? On gagne 1-0, les gars. On gagne 1-0 des matchs comme ça, c'est à nous de le faciliter. Donc il faut que dès la première mi-temps, la deuxième mi-temps, là, on ait une meilleure attitude. Et cette meilleure attitude, elle vient dans l'investissement et dans l'impact que vous allez mettre. D'accord? Eh, c'est des gentils, hein. C'est des gentils, sauf que le match, il va pouvoir devenir très difficile si on n'en met pas un autre ou deux là. Parti. Le chrono est parti. Belle reprise. Balle à terre. Beau pressing.
On continue des blancs. Beaucoup franc. Qui est venu de nulle part. Ça va les galvaniser. Débordement. Récupération de la balle par Nicolas. Qui centre immédiatement. Reprise malheureusement. C'est le cafouillage. Difficulté pour les blancs à sortir la balle. C'est pour nous. Récupération, le gardien qui fait une passe bonne angle pour son joueur. Nouvelle touche pour nous, on progresse. Généro. Bien joué Nero qui récupère une balle. Perdu par Emir. Balle pour nous. Va seul. Et le vent qui nous avantage. Du jeu. Putain, on est coupé en deux là. Une phase difficile pour les blancs. Bien joué ça. Une phase de jeu. Contre-jour. Récupération du balle, la balle par Herman. Oh. Deuxième but de Garville en ville. Récupération du balle, la balle par Herman. Oh. Un peu plus de 30 minutes pour faire la différence. Nestor avec la balle, qui malheureusement perd la balle. Récupération de la balle pour les gens. Une phase de jeu de drill qui perd un peu de confiance. L'avantage. Et lui il aime pas l'avantage hein. Dommage, Nicolas avait récupéré la balle. Au fond, le balle.
Pour côté, pour Dylan. Non. Pour Chris. Ça revient très rapidement. Dégagement de Herman. Là on est dans le Oura Football. Le premier poteau. Regarde dans le jeu. Récupère la balle. Tire. Sur ses débordements habituels. Très belle récupération du défenseur vert. En jeu. C'est reparti pour nous avec une phase de jeu en notre faveur. Directement. Pénalty. Dans la boîte 4. C'est ça. Beau tir! Beau tir des. Voilà, c'est ça. Vas-y, vas-y, allez, allez! Vas-y! Wow. Le gardien à nouveau sur le, la trajectoire. Pour rater devant, on passe pas gêler, hein, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Il faut que ça nous serve et que ça nous apprenne.